le monde, salut à tous, c'est Benitier, aka Beni13love, ce que tu veux. Ben, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va parfaitement bien. Et oui les amis, bon, je suis un peu désolé encore une nouvelle fois, la vidéo a pris du temps finalement. J'ai eu un peu de retard, je vais m'excuser. Oui, c'est assez rare, mais j'étais assez... comment dire... J'étais assez occupé IRL, du coup, après, en faisant ça. Mes trêves de plans d'entrée n'est pas là. Du coup, qu'est-ce qu'on va parler? C'est la fin de ce week-end 2, enfin, avec deux matchs encore sont joués, troisième journée, quatrième journée, que je vais vous faire un débrief, comme tous les week-ends, comme chaque week-end. Et oui, vous êtes... Ah, t'as impatient de voir ça. Est-ce qu'il sort pas? Ouais, enfin, je... Ouais, allez, trêve de plaisanterie. J'ai assez dit de la merde, du coup, on va passer, comme d'habitude et toujours, vous le savez très bien, on va commencer par les plus petits divs jusqu'aux gros divs, la BPA qui continue sur sa lancée et qui empoche sa troisième victoire face à la AG plus 42, bien joué pour la BPA en tout cas, c'était propre, c'était correct. Lâchez rien comme d'habitude, et après du coup je pense que la BPA a chaîné le petit coup d'arrêt. Aïe. Allez, c'est pas grave, c'est qu'une défaite, c'est déjà bien. Vous avez 3 victoires et une défaite. Bon, la LTK vous arrêtez, mais vous verrez bien au match retour. J'espère que vous les défenseurs en tout cas. Allez, on y croit en vous, la BPA est... Continue ainsi, la BPA qui est bien placée, je crois elle est bien positionnée, elle doit être deuxième de sa team. Il faut qu'elle continue comme ça en tout cas, bien joué à vous la BPA en tout cas, GG à vous. Du coup on va passer à la SZ2Y, à la SZ2, qui s'impose contre la KA, la KA team Mexicos, ouais, comme on m'avait dit déjà dans les commentaires. Elle s'impose plus 30, belle victoire en tout cas, c'était assez serré quand même. Mais finalement c'est la SZ qui a su finalement faire la différence en tout cas. Bien joué à la SZ en tout cas, qui continue à aller vers l'avant. Et puis après du coup, la SZ qui a chaîné son deuxième match et que, ah bah dommage, bah, cette fois-ci elle a perdu contre la Kaisers. Je sais pas ce que c'est, je connais pas, mais en tout cas c'est dommage. Bon, elle a quand même une victoire, mais elle a perdu. Bref, bien joué à vous en tout cas la SZ2, c'est la KY, bien joué à vous. On continue ainsi, c'est bien les gars. Du coup, Z, après on en est à... Bah du coup on va passer à la roster 1, qui confirme, et qui continue à confirmer encore. Elle s'impose face à la RNG. Alors c'est encore notamment en Scrat, qui fait la différence, mais l'autre fois il m'a dit... Ouais, ah bah il y avait, je crois, presque leur best studio, parce que je sais que dans les commentaires, il y avait Lyon qui m'avait dit que non, il n'y a pas que Scrat qui fait forcément partie des meilleurs, qui est aussi Ruby. Bon, je connais pas, mais en tout cas, oui, il a pas l'air d'être dégueu pour cette div, oui, il a l'air de bien jouer, en tout cas. GG, en tout cas, et petit bisou, un petit pensée, un petit bonjour à mon ami Scrat, mon bro, que c'est dommage qu'il est parti. J'ai un petit peu les regrets quand il était parti à la Moon, mais bon, après, c'est son choix, écoutez, c'est comme ça, s'il est bien à la Z, tant mieux pour lui. C'est tant mieux. Du coup, et la Z qui a chaîné son deuxième match, si je me trompe pas... Et oui, la chaîne contre la K8 et la Z qui s'est fait stop. La K8 qui remporte sa première victoire. Bien joué à elle en tout cas. Plus 44, bien joué. Du coup, la Z, dommage. Ça reste dommage malgré ça, mais bon, il faut pas relâcher. Ça reste comme ça. Du coup, on va passer au deuxième match de la K8 avec la K8. Ah bah, elle s'est pris une petite fessée hein, face à HZ. Elle n'aura pas réussi à s'imposer malheureusement de ce que je vois. Plus 120, c'est beaucoup trop, je pense. Et du coup, ouais, je pense que ouais, ça va peut-être être serré cette div en tout cas. Je l'ai pas vu au classement, mais en tout cas, ouais, la K8, bon, elle aura fait sa première victoire, mais. Faut pas qu'elle s'accroche, faut qu'elle lâche rien en tout cas. Du coup, on va passer à la papin. Qui s'impose, plus 62 contre la Team Rocket. La Team Rocket, plus rapide que la lumière. Ouais, bon, ça rigole. Ouais, plus 62, bien joué en tout cas, papin. Grâce notamment à Dal. Flo aussi, Hit. C'est très bien joué de leur part. Et qu'elle confirme qu'elle a sa place, ouais, qu'elle peut rester. Et vraiment, oui, la papa confirme, malgré que
ils avaient perdu une peau, etc. Elle essaie d'être présente. Du coup, après, je crois que la Papa HN contre la IF. Ah, rip. Ah, cette fois-ci, elle n'a rien pu faire. Apparemment, la IF était beaucoup plus forte que la Papa. Elle s'est imposée plus en 4. Et que, ah, Ronan. Ronan qui rejoue. Oh, incroyable. Je savais pas qu'il jouait encore. Moi, je sais qu'il était IF, mais je le voyais pas trop en Ophi. Mais je vois qu'il est là. C'est vrai que ça peut leur aider beaucoup à la IF. Le Ronan, grâce à son expérience, quand il était à la Julo, Gibbs, s'il peut essayer d'apporter un coup de main, oui, je pense que ça peut leur aider fortement à la IF. Mais du coup, dommage pour la Papa. Alors, elle a fait une victoire et une défaite ce week-end. C'est pas grave. Du coup, qu'est-ce qu'on va passer? On va passer à la MKC2. Oh là là. Oh putain, ta 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 ta. Ah, mais c'est une branlée ce que je vois là. Plus de 154 contre la SY de ce que je vois. Crowe 145 ans. Allez, lui, c'est amusé en tout cas, mais la MKC qui prend une pige. Déjà qu'elle n'était pas en confiance du tout, et là, les doutes est présent. Du coup, là, ça va être très compliqué pour que la MKC 2 relève la barre. Bon, après, j'ai rien dit de méchant, mais ça se voit que quand il n'y a plus JB, quand il n'y a plus l'autre, quand il n'y a plus deux éléments, troisièmement, je sais pas. On voit une petite différence, mais je sais pas, les gars, mais. Je me moque pas, je n'ai jamais moqué, mais je ne suis jamais. J'ai toujours remotivé des troupes, même quand elles étaient en difficulté, mais. Je sais pas, ressaisissez-vous, les gars. Franchement, là. Ça va être chaud, là, parce que là, plus de 154, en plus, là, elle a chaîné sa troisième défaite d'affilée. Et du coup, en plus de ce que je sais, elle a chaîné aussi encore face à la BW. Et, bon, c'est un peu mieux, mais elle a loose quand même. Bon, après, je sais pas qu'est-ce que je trouve de. Exceptionnel BW, mais bon. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, il y a un souci, je sais pas, faut vraiment pour régler votre souci, est-ce qu'il y a un problème de TP, il y a un problème de run, j'en sais rien, il y a quelque chose qui va pas, parce que, bon après voilà, chacun son niveau c'est sûr, mais ouais, non mais courage à vous, essayez de faire quelque chose, ça va être très 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 compliqué pour la MKC2 qui commence très mal, avec 4 défaites d'affilée, ouais. Bah bref, courage à vous les MKC2 en tout cas, j'espère que... Vous arriverez à réagir parce que là ça va être très 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 compliqué de votre cas. Donc du coup, on va passer à la Moon. Bah la Moon de nous. Bah du coup pour mon retour, bah c'était de la merde pour mon retour, c'était nul. Oh, c'est un client, on en a peur qu'on perd contre la Wake. Perso, je dis mon avis, j'en sais rien parce que bon, après il y avait Arokai qui m'avait interviewé. J'ai dit ce que je pensais, j'en sais rien. Je pense que ce soir... C'était vraiment nul, il y avait... Enfin... On n'était pas comme d'habitude, on n'a pas été là, on n'a pas été présent, enfin bref, voilà, c'est le collectif. C'est un match raté, quoi, on a raté. Du coup, après qu'on est Shane contre la Tulo, et celui-là... Ça fout plus ses boules. Bon, on a mieux joué, certes. It's okay, c'est pas un souci. C'est surtout qu'on va prendre un peu mal parti. Dans le bot, c'était que la Tulo était gratté. Bon, on perdait pas des maps de très gros. On perdait moins 2, moins 6, moins 2, je sais pas. C'était assez close, c'est vrai. On était revenu un moment à taille, mais après, les deux chocs de la Tulo, quand ils ont réussi à les avoir, eh ben, ça nous a. Waouh! Ça nous a complètement tué. C'est vrai qu'il y a eu peu de crispation, mais ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y faire? C'est la vie. On peut rien faire. Mais bon, j'espère que la Tulo, nous. Ouais, bon, je me bougerai le cul notamment, je serais bon mieux de bouger mon cul, mais ouais, va falloir se réveiller, en tout cas, même si on n'est pas favori du tout. Bon, chose que beaucoup de Moon le savaient déjà, on n'est pas favori, mais va falloir qu'on se bouge, on se dépêche. Du coup, on va passer à la YF. La YF qui est encore dans le doute encore. Bon, c'est vrai, face à la Oroa, c'est vrai que la YF elle est dans une mauvaise confiance, c'est vrai que je sais pas si peut-être, je vais pas prédire, mais... Il y a peut-être des chances qu'elle va finir avant-dernière ou dernière parce que là elle perd 90. La semaine dernière, elle s'est fait balayer contre la Pernou. Après, elle a encore perdu à RK. Là, elle vient de perdre 90 parce que là, ouais, ils n'ont jamais été bides dans tous les cas. Et du coup, la YF qu'ils ont perdu, ils ont rejoué encore un match contre la ID. Cette fois-ci, c'était une
de petites fessées en tout cas. Comme je vous l'ai dit, ça va être très la YF aussi, ça va être très compliqué pour qu'elle sorte quelque chose, qu'elle s'impose. Là, ça va être vraiment 4 défaites déjà. Du coup, le doute est présent de côté YF. Espérons pour eux que... Il va falloir se remotiver, en tout cas. Bon courage à YF, en tout cas. Et du coup, on va passer à la Perno. Et la Perno qui s'impose. Elle confirme son statut, en tout cas. Et elle est première, je crois, si je me trompe pas. Parce qu'elle a aucune défaite. Pour le moment, elle a aucune défaite. Elle s'impose. C'est une belle victoire, en tout cas. Plus 54 face à la ID. Franchement, je dois y voir quelque chose, le collectif ou autre. Ils ont vraiment compris que ça doit vraiment bien tourner. Parce que là, cette année, ils marchent très fort. Bon, c'est vrai, par rapport à l'année dernière, c'était oui et non, oui et non, oui et non. C'était selon les lus, j'en sais rien, mais ça marchait pas trop. Mais là, ça a l'air de bien fonctionner, en tout cas, leur TP, à casse que vous voulez, vous avez compris. C'est vraiment la Perno confirme son statut. Et du coup, elle a lâché une contre la RK2 et elle a encore gagné. Là, c'était encore serré. Elle a encore gagné la Perno qui est première de la Div 2 de sa conférence. Elle fait un sans faute, bah bien joué. Bah, qu'est-ce que j'ai à dire de vous les gars? Bah bien joué, en tout cas, bah continuez comme ça, continuez ainsi. Voilà, ça prouve que cet état d'esprit, l'état d'esprit de l'équipe, est vraiment en pleine confiance. Y a tout qui marche, bah voilà, c'est ce qu'il faut. Bon, moi ce que j'aimerais bien, côté Moon aussi, mais bon, après on va pas mélanger tout. Nous on se démerde de notre côté. Du coup on va passer à la D1, on va passer à la Warframe Star. Warframe Star ne fait que s'amuser à gagner très peu quoi, ce que je vois. Après, après avoir gagné de plus 8 contre la DMK, ben, ils ont gagné de plus 6 contre la MTX à KMT1. C'était close encore, c'est tendu tendax. Mais la WF Moon a cherché, bah dommage Joub, bon c'est mon pote, mais ce bougeau m'a vu très cher, courage mon pote. Et du coup, la star qui a chain contre la HD, et c'était close, mais la réussite n'est pas été là. La star qui s'incline face à la HD, ça n'est pas joué spécialement à grand chose, plus 22. Mais bon, j'espère en tout cas que la WF se vengera pour le match retour, parce que je pense que... Quand ils seront au match retour, il y aura quelque chose vraiment à faire côté Star. J'espère pour le groupe la Star. On va passer à la team à Félix. À Félix qui s'impose. Elle s'impose quant à la ARC 2 plus 1, c'est étendu. Décidément, c'est de T1. Il y a des résultats qui me surprendront de plus en plus. Plus 20, ça reste assez close. Bon, je vois qu'il y a eu des subs, ils ont pas trop été aidés parce que l'autre a été sub. La VX, de ce que je sais, qui s'impose de plus 20, bon, ça reste une victoire. Et qu'après, la chaîne contre la ME de ce que je sais. Et la ME qui s'impose. La ME qui s'impose contre la VX. Ça, c'est une petite. Ça, c'est étonnant. C'est une petite surprise. Comme quoi, la ME peut faire au moins peut-être avant-dernier ou quatrième, peut-être. Mais la ME, bah non, je pense pas. Non, elle finira pas dernier dans tous les cas parce que bien joué. En tout cas, la ME, congratulations. Bon, putain, elle est décidément. Si j'aurais su. Bref, du coup, la VX, ce qui s'incline et du coup, ça relance un peu pour les deuxièmes places, je pense. On va passer à la Zilus. La Zilus, bah du coup, bah petite victoire. Ça reste une petite victoire quand même. Bon, elle s'impose plus 48 face à la ME. La ME qui n'aura rien pu faire, notamment grâce à Dragon. Oh, Dragon, il est chaud patate. Il a été chaud patate, Dragon. Il a vraiment été solide présent. Bon, après, c'est le collectif, bien évidemment. Du coup, la Z qui s'impose, bien joué à elle. Et du coup, qui a Shane contre la DVP. Bon, cette fois-ci, c'était une victoire large. Sans aucun souci contre la DVP. Plus 88. Du coup, je pense que ça reste serré, mis à part que la Gibbs qui... Eh ben, la Gibbs qui confirme sans faute comme la Perno, la Gibbs qui s'impose plus 28, juste de ce que je sais, à ce qui paraît. La Gibbs revient de loin, de ce que je sais, c'est parce qu'à un moment donné, ils auraient pu perdre, failli perdre, mais à ce qui paraît, c'est surtout la toute fin, je crois, si je me trompe pas. Du coup, elle s'impose plus 28, ça reste tendu. Et la RK1, ouais, c'est un piège, c'est du piège, mais quand même la Gibbs s'impose, bien joué à elle en tout cas. Ah non, merde,
Attends, excusez-moi, du coup je me suis trompé. Oui, la Gibbs qui a Shane contre la DMK. Bon là, pa. Il n'y a pas eu de surprise. Bon, la loi au plus fort, la Gibbs qui a su montrer qui était le patron face à la DMK. La DMK, je pense qu'elle n'a rien pu faire. Du coup, GG à la DMK. En tout cas, du coup, GG à la DMK qui s'incline. Et du coup, la Gibbs qui est première de la Div 1. La Gibbs qui est première, bien joué en tout cas. Du coup, je pense que c'est fini. On a fait le tour des tableaux. J'espère que ça vous a plu cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, t'abonner sur ma chaîne YouTube si tu veux encore me suivre ou sur Twitter. Et je vous dis, mesdames et messieurs, au week prochain, à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde. Bye, ciao. Merci à tous. Je suis en veille sur planqué dans l'ombre. J'ai la tête dure et les dents longues. L'argent fait des origamis. Avec les liens, je fais des origamis. Capuché dans le hall, cadaphilisé comme en Mauritanie. Si t'as un gros boule côté en bourse, siffle mon produit, je coupe à la source.